Je vais aller chercher le livre magique.
Très triste. 3 jours pendant, ta magie ne fonctionnera pas. Les enchantements, tu n'auras pas. Ils ont encore ruiné mon plan. Non. Youpi. Merci bien, les amis, de nous avoir secourus. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Patty, sors-moi de là, je t'en prie. Non. Et n'oublie pas de t'abonner. Vous êtes prêts pour l'aventure? Oui! Mais où sont les animaux? Ne t'en fais pas, tu les verras bientôt. Mais où sont-ils? Mais où sont-ils? Ne t'inquiète pas, nous verrons bientôt les animaux. Oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie! Mais quand est-ce qu'on va voir les animaux? Patience, les enfants, je vous ai dit que nous les verrons bientôt. Je m'ennuie. Il reste combien de temps? Oh, c'est vraiment ennuyeux. Oh, je n'en peux plus. Oh! Où est-ce qu'il va? Il a peut-être vu un animal. Ah! Ah! Hein? Les amis, je ne crois pas qu'il va revenir. Est-ce que ça vous dirait de continuer tout seul le safari? Génial! C'est moi qui conduis! D'accord! Allez, en route! La 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 la! Sur votre droite, vous pourrez observer un arbre! Et sur votre gauche, encore un arbre! Accélère, Missifou! Voilà! Oh oh! Que se passe-t-il, Missifou? Je crois que nous sommes bloqués dans la boue! Je pense qu'il va falloir que vous descendiez d'ici pour pousser la Jeep! D'accord, Missifou! Allons-y, Lily! Encore un peu! Les filles, arrêtez, ça ne fonctionne pas! Missifou, attention à toi! Les filles, vous entendez ça? Qu'est-ce que c'est? Ouf, on l'a échappé belle. Reposons-nous un peu. Hein? Quelque chose bouge dans l'eau. Un crocodile! À l'aide, au secours! Trouve-toi un adversaire à ta taille. Ah! Les amis,
regardez, il n'est plus là. Reposons-nous un peu sur ces rochers. Oh, qu'est-ce qu'on est bien ici. Hein, qu'est-ce qui se passe? On dirait que la pierre a bougé. Ah, mais... les rochers, ils ne bougent pas. Laissez-moi tranquille, sale puce. Des puces? Des puces! Des puces! Des puces! Hein? Des puces! Des puces! Des puces! Ah! Ouais! Vite, grimpons dans cet arbre! Des puces! Les enfants, les rhinocéros vous ont poursuivi, vous aussi? Oui! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, des éléphants! Qu'est-ce qu'ils sont mignons! C'est bien ça! Très bien, Lily! Éléphants, vous pourriez nous aider? Oui, bien sûr! Grimpez sur notre dos et nous vous emmènerons! Youpi! Me voilà! J'adore, c'est vraiment génial. Oh non, des rats! Des rats, des rats! Oh l'aide! Ah! Ah! Aïe, 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 Bonjour, Lion. Que fais-tu par ici? Oh! Heureusement que c'est toi, guide! J'ai cru que ces touristes voulaient me manger. Oh là là, mais quelle frayeur! Sérieusement? Oui, vous m'avez fait peur. Mais tu es le roi de la jungle. Que faites-vous ici, si loin de la route? Nous nous sommes perdus. Tu peux nous emmener à la jeep? Oui, bien sûr. Allons-y. Je ne comprends pas pourquoi il a tellement peur alors qu'il est énorme! Je vais t'aider, Lily. Merci, Lion! De rien! À bientôt, les amis! Très bien, les enfants! Tout le monde dans la jeep! Vous avez aimé le safari? Oui! Et n'oublie pas de partager. Trop bien! Le jour des sorcières est enfin arrivé! Abracadabra! Pour notre fête, un très joli tipi apparaîtra! Abracadabra! Un feu de camp apparaîtra et très joli il sera! Des petites lumières par là! Des guirlandes par ici! Encore quelques petites lumières! Comme ça rend bien! C'est trop beau! Oui, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah oui, le buffet pour les desserts. Miam, miam, ça a l'air délicieux. Oh non, il commence à pleuvoir. Bon, ce n'est que quelques gouttes, ce n'est pas grave. Je vais continuer la décoration pour la fête. Et on va mettre quelques attrape-rêves par ici. Waouh, comme c'est beau! Oh non, maintenant il pleut encore plus. Et tout est en train de se mouiller. Oh non, une tornade! Je dois vite aller me réfugier à la maison.
annuler la fête des petites sorcières. Mais tu peux sûrement trouver une solution avec ta baguette. Mais ma baguette magique est toute mouillée et ne fonctionne plus. Et puis, Missy Fou, on ne peut pas utiliser la magie pour changer le temps. Il n'y a rien à faire. Tani, ne sois pas triste. Nous allons vite trouver une solution, tu vas voir. Non, Missy Fou, nous ne pouvons rien y faire. Il y a de l'eau partout. Ma baguette ne fonctionne pas et tout est en train de s'inonder. Je n'aime pas voir Tani comme ça. Je vais trouver une solution. Tani, Tani, j'ai une idée. Oui, Missy Fou. Nous pourrions appeler ta professeure à travers le portail magique pour lui demander de l'aide. Quelle bonne idée, Missy Fou. Allons-y. La 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 la. Ne t'inquiète pas, Tani. Tu vas voir, nous allons régler tout ça. Oh non, Missy Fou, ça ne marche pas. Je vais dans ma chambre. Pauvre petite Tani, elle est toujours là pour nous aider. Et maintenant, c'est à mon tour. Ah, j'ai une idée. C'est pas ça. Ça non plus. Ah, le voilà. Alors, et maintenant, il suffit de le gonfler. Nouf, nouf. Et voilà. Oui, qu'est-ce que c'est? Oh, allez, allô. Rame, qui rame, mon petit bateau. Encore un petit peu, Mr. Morning. Missy Fou, aide-moi s'il te plaît. Mr. Morning, saute dans le bateau. Merci, Missy Fou, mais où est-ce que tu vas avec ce temps? Tani a organisé la fête des petites sorcières aujourd'hui. Mais la tempête a vraiment tout détruit. Et maintenant, je vais aller chercher Lily pour m'aider. Quelle bonne idée, Missy Fou! Oh non! L'eau arrive jusqu'à ma petite maison! Au secours! Au secours! Nous devons aider notre ami l'écureuil! Saute, petit écureuil! Merci! Regardez les amis, il y a un petit lapin, il faut le sauver! Au secours! C'est bon, on te tient! Merci! Oh non, au secours, aidez-moi! Nous allons te sauver, petit elfe! Merci, Missy Fou! Oh, ma maison est toute inondée! Mais regardez, nous pouvons toujours rentrer par la fenêtre! Main, ouvre la fenêtre! Venez, les amis, tous à l'intérieur! Merci, Missy Fou! Nous serons en sécurité dans ma maison! Appelle-nous si tu as besoin d'aide! D'accord, Mr. Morning! Et on rame! Lily, Lily, nous devons aller aider Tani! Que s'est-il passé? Eh bien, tu vas voir que... Utilisons ma magie! Lily, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Tu pourrais peut-être faire apparaître une évacuation. Mais qu'est-ce que c'est? Un trou dans la salle de bain où l'eau peut s'écouler. Abracalibris! Waouh!
n'arrive pas à y croire. Tu as réussi. Je vais aller enlever le bouchon. Aide-moi! Oui, j'arrive! Aïe! Nage plus vite, Missifou, ou le tourbillon nous emportera! Oui, j'essaie, mais je n'y arrive pas! Mr. Morning! Allez! Oh non! Lily et Missifou ont des problèmes! Il faut que j'aille les aider! Je sais! Je vais les repêcher! Ah! Ah! Ouh, ouh, ouh! Le tourbillon nous a presque engloutis! Quelle aventure! Oh non, tout est détruit, pauvre Tani! Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Utiliser ma magie! Lily, je ne sais pas, ta magie ne marche pas vraiment tout le temps! Bonjour, nous sommes venus vous aider! Youpi, génial! Comme ça, et voilà! La 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 la! Comme c'est propre maintenant! Quelques petits ballons par ici. Lily, il faut des lumières pour la fête des petites sorcières. Nous avons besoin de mettre des lumières de toutes les couleurs. Mais nous n'en avons pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, regardez toutes ces lucioles. Coucou, petite luciole. Tu pourrais nous aider? Bien sûr. Nous avons besoin de lumières pour notre fête. Vous pourriez nous peindre de toutes les couleurs. Et comme ça, vous auriez toutes les lumières dont vous avez besoin pour organiser une super fête. Génial, merci. Rose et jaune. Maintenant, préparons les gâteaux pour la fête. Ils ont l'air bons. Les amis, j'apporte les gâteaux. Génial! C'était un super travail d'équipe, alors merci beaucoup à tout le monde. Et maintenant, il ne reste plus qu'à aller chercher Tani! 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 Cours! Viens avec moi! Que se passe-t-il, Missifou? Attends un peu. Le mieux, ce serait que tu vois ça de tes propres yeux. Surprise! Waouh! Mais comment avez-vous fait? Tu es toujours là pour nous aider, alors nous avons fait tout notre possible pour te redonner le sourire. Oh, merci beaucoup les amis! Chères petites sorcières, venez profiter de la fête! Maintenant, les dernières retouches et ce sera parfait. Ah, brise calibri. Aïe, Tani, je ne vois plus rien, je ne vois plus rien. Ne t'inquiète pas, Missifou, c'est juste un papier. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est le nouveau salon de beauté de Lily. Oh, nous pourrions y aller, Missifou. S'il te plaît. Je ne sais pas, Tani. Je crois que c'est vraiment une très mauvaise idée.
Allez, Missy Fou, si ça se trouve, ce sera génial. Et ça fait si longtemps que nous marchons, ce serait pas super un petit massage pour se reposer? Je ne sais pas. Allez, s'il te plaît, Missy Fou. Bon, ok, mais si quelque chose tourne mal... Je suis sûre que tout ira très bien. Oh, regarde, c'est vraiment trop mignon. Et voilà, Mr. Morning. Oh, je suis très beau. Merci beaucoup, Lily. Bon, je rentre à la maison. À bientôt, Lily. Au revoir. Waouh, qu'est-ce que tu es beau! Les amis, vous devez absolument tester le nouveau salon de Lily, c'est génial! Oui, oui, allons-y! Salut Lily! Bonjour les amis, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Moi, je voudrais un relooking! Moi aussi! Ah, et puis aussi un masque! Oh, moi aussi j'aimerais bien un masque et un massage relaxant pour mes pieds! Oh, moi aussi! C'est parce que nous avons beaucoup marché! Très bien, asseyez-vous ici, s'il vous plaît. D'abord le petit bonnet. Et pour toi aussi, Missy Fou. Je vais préparer les masques, les amis. Oups, un peu trop liquide. Je vais ajouter un petit peu de ça. Beaucoup mieux. La 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 la. Oh. Des concombres pour la relaxation. À ton tour, Missy Fou. Génial! Et les petits concombres. Génial! Maintenant, je vais m'occuper de vos cheveux. Waouh, je suis beau! Hein? Lily! Missy Fou, je vais te teindre dans les tons noirs, reflets bleu nuit. Ok, maintenant il faut laisser reposer un peu. Tani, je vais te couper un peu les cheveux, mais seulement un petit peu, ne t'inquiète pas. Je n'en peux plus, Lily, je suis beaucoup trop fatiguée. C'est presque terminé, c'est la dernière coupe pour aujourd'hui. D'accord. Ses cheveux repoussent. C'est pas vrai. Waouh. Oui. Mais que ses cheveux sont longs. Oh, ils ont enfin arrêté de pousser. Oh, c'est vraiment horrible. Je vais essayer d'arranger ça avec des couettes. Maintenant, c'est l'heure d'enlever les masques. Aïe, aïe. Oui, on dirait qu'ils ont encore besoin d'un peu de temps. Nous allons maintenant passer aux petits poissons pour les massages des pieds. Coucou les amis, c'est l'heure pour un petit massage. Non, non, nous sommes très fatigués, nous ne pouvons plus travailler. Et qu'est-ce que je vais faire alors? Petit miroir, je voudrais plus de petits poissons. Très bien, ils seront prêts dans quelques petites minutes. Génial! Ah, brise calibrise, des petits poissons affamés dans un aquarium apparaîtront. Qu'est-ce que c'est agréable! Génial! On enlève les concombres. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ah! Lily! Oups, les amis, je suis désolée. Je vais tout de suite faire disparaître l'aquarium. Oh! Et? Ah oui! Un moment, je vous enlève les masques. Hey, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 désolée, ils sont restés un peu trop longtemps. Missy Fou, attends, je dois toujours te rincer pour voir comment te va la teinture.
aventure. Hop, au rinçage. Tani, je t'avais dit que c'était une très mauvaise idée et tu vas me payer. Lily, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Je suis désolée, les amis. Je suis vraiment désolée. Et si nous préparions un gâteau aux fraises? Un gâteau! Un gâteau! Miam, miam! Lily, pour préparer le gâteau, il te faut la toque et le tablier du chef. Abracadabra! Une toque et un tablier pour toi et pour moi! Oh, waouh! J'aime vraiment beaucoup ce tablier! Maintenant, préparons le gâteau! Qu'est-ce que vous faites? Un gâteau! Un gâteau! Pour commencer, nous avons besoin d'ustensiles de cuisine. Abracadabra! Tout pour la cuisine sur notre table apparaîtra! Et maintenant, les ingrédients! Abracadabra! Tout pour notre recette en volant arrivera! Je sais, je sais! De la farine, du lait, du beurre, du sucre, du chocolat et des œufs! Il manque les fraises! Abracadabra! Quelques fraises par là! Miam, miam, miam! Lily, nous devons d'abord mettre tous les ingrédients dans le saladier, puis mélanger. Youpi! C'est génial! Nous allons mettre les œufs, le lait, la farine, le beurre, le sucre, le chocolat, puis remuer, remuer et remuer. Et les petites fraises, et les petites fraises, Tati! Quand est-ce qu'on les ajoute? Les fraises sont pour la décoration du gâteau, Lily! Maintenant, nous avons besoin de plus de lait. Lily, arrête de manger. J'adore les petites fraises. Lily, tu as mangé toutes les fraises. Non, ce n'est pas moi, c'était Missy Fou. Hé, Lily, ce n'était pas moi! Voyons voir. Qui sent la fraise et a sa bouche tachée de fraises? C'était moi. Je suis désolée, mais j'adore tellement les fraises! Ce n'est pas grave, Lily. Continuons notre gâteau. Nous allons rajouter les œufs et le chocolat. Lily, Lily, je te vois! Je veux mettre la farine! Je veux mettre la farine! Tati, je peux? Abracadabra! Toute propre, la cuisine sera! Nous voulons du gâteau! Nous voulons du gâteau! D'accord, je vais utiliser un peu de magie pour le gâteau. Mais il faut d'abord nettoyer la table. Abracadabra, la table impeccable sera. La magie, la magie, la magie. Abracadabra, le gâteau avec de la magie se cuira. Lily et Missy Fou, il régalera. Le gâteau, le gâteau, le gâteau. Oh, waouh, Tati, il est très beau. Miam, miam. Tati, il a l'air bon. Merci, Lily. Merci, Missy Fou. Et maintenant, nous pouvons goûter le gâteau. Miam, miam, miam. Miaou, je suis trop géniale. À toi, Tati. Oh, quel magnifique papillon. À toi, Lily.
Je suis tellement beau! Hein? Voyons voir ça. Intéressant! Super massage! Ah! Qu'est-ce que c'était? Sauf qu'il peut! Oh là là! Mais qu'est-ce que c'était? Au secours! Au feu! Courez! Le dragon s'est réveillé! Wow! J'ai dormi très très longtemps! J'ai super faim! Voyons voir si je peux trouver quelque chose à manger! Wow! Quelle chance! C'est rempli de fruits! Ils ont l'air délicieux! Je vais tous les manger! Miam miam! Ça me brûle! Ça me brûle! Ça me brûle! Ça me brûle! Aïe 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 aïe! Regarde, encore un qui s'enfuit. Les amis, je crois que nous devrions... courir! Ah! 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 Allez! Miaou! C'est trop rigolo! Ah! Ici vous, je ne vois plus rien! Par où maintenant? À gauche! Attention au tronc! Ah! Oui! 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 Aïe! 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 Ouch! Ouch! Oh, j'ai la tête qui tourne! Rino, que s'est-il passé? Pourquoi tous les animaux sont en train de s'enfuir? Eh bien, Tati, le dragon se réveillait et il avait tellement faim qu'il a dévoré un arbre entier de piments et maintenant il crache sans arrêt du feu. Oh, le pauvre, on devrait l'aider. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Tati? Allons chercher Mr. Morning et Lily pour leur demander leur avis. Bonne chance, les amis. J'espère que ça va marcher. On vous trouve enfin, les amis. On sait ce qu'il s'est passé. Nous aussi. Vous avez une idée pour que l'on puisse aider le dragon? Sûrement que dans mon sac à dos, nous trouverons la solution. Pas ça! Ça non plus! Hein? Une horloge? Ça n'aidera pas! Elle a l'air délicieuse! Ça non plus! Ah! Ça oui! Le lait, ça le calmera! Quel pont terrifiant! Il est très abîmé! Faites très attention, les amis! Oh, c'est difficile! Tati! Je te tiens, Lily! J'ai eu très très peur! Ah! Non, pas dans l'eau! Pas dans l'eau! Qu'est-ce qu'elle est fraîche! Regardez tout ce feu! Nous devons vraiment nous rapprocher du dragon! Nous sommes complètement encerclés de feu! Faites attention! Et maintenant, comment va-t-on arriver jusqu'au dragon? Je vais utiliser ma baguette comme un tuyau d'arrosage! Oh non! Elle n'y arrive plus! Elle est trop fatiguée! Ouf! Il fait chaud ici! Tout va bien, les amis! Grâce à ma super télécommande, je peux demander à ma maison d'envoyer un drone à notre rescousse!
Regardez, il est là! Super! Et maintenant, grimpons à bord du drone! Allons sauver le dragon! Oui, allons aider notre ami dragon! Dragon! Par ici, par ici! Oh! Oh! Aidez-moi, s'il vous plaît! Dragon! Ouvre la bouche! Oh! Il n'y en a déjà plus. Oh non, ça ne marche pas. Abracadabra, cette bouteille toujours se rechargera. Voilà mon ami le dragon. Ouf, enfin. Merci beaucoup de m'avoir sauvé les amis. Montez, je vous emmène faire un petit tour sur mon dos. Youpi! Et n'oublie pas de partager. Bien dans l'eau. Aide-moi, s'il te plaît. Oh, il s'amuse tellement bien sur son matelas gonflable. Waouh! Au secours! Au secours! Ils vont m'attraper! Aïe! Ils vont faire mal! Aïe! Vous m'avez fait peur! Lily, quelque chose m'a touché la jambe. Ah, sûrement un poisson. Sûrement. Retournons à la plage. Oh, voilà mon seau, ma pelle et mon râteau. Je vais construire un château de sable. Hé, hey, Mr. Morning, tu aimerais construire un château de sable avec moi? Oh, Missy Fou, je suis tellement bien allongée au soleil. Mais tu peux demander à Tati et Lily de t'aider. C'est juste que je n'aime pas les requins. Quoi? C'est l'endroit idéal pour faire mon beau château. La 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 la. Missy Fou, est-ce qu'on peut t'aider à construire ton château? Non! Oh, allez, Missy Fou, s'il te plaît. Non, non et non. Oh, allez, Missy Fou. Non, pas après la méchante blague que vous m'avez faite. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Tati? Nous devons lui présenter nos excuses, mais trouvons d'abord quelque chose de joli pour décorer son château. Avec ça, c'est sûr, il nous pardonnera. D'accord. Ah, qu'est-ce qu'on est bien! Oh, mon château est super réussi! Oh. Regarde cette pierre, qu'est-ce qu'elle brille! Ok, allons lui montrer et lui dire pardon. Missy Fou, regarde tout ce qu'on a ramassé pour ton château. Tu nous pardonnes, s'il te plaît? S'il te plaît! Nous ne recommencerons plus jamais, promis! Bon, d'accord, ça va. Construisons ensemble le château de sable, venez. Oh, c'est bizarre. Voilà, ne bouge plus. Attends, Missy Fou, on va t'aider. Aïe, 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 ça fait mal. On y est presque. Et voilà, à
Allez, petit crabe, à la maison. Je crois qu'il veut garder le château de sable juste pour lui. Garde-le alors! Et si on se cachait dans le sable maintenant? Quelle bonne idée, Lily! Et voilà! Oh, il fait chaud ici! Et si nous allions nager? Ok! Miaou! Oh, hé! Je suis toujours enterrée dans le sable! Youhou! Mr. Morning, est-ce que tu pourrais m'aider? Tati, je suis désolée, mais je suis tellement bien ici allongée au soleil. Je suis coincée sous tout ce sable. Pas le crabe de nouveau, non! Oh, pourquoi est-ce que Tati crie? Je ne sais pas. Lily, sors de là tout de suite! Tu m'avais promis que tu ne recommencerais pas cette méchante blague! C'est pas gentil! Missy Fou, je suis juste ici, ce n'est pas moi! Je suis sûre que c'est Tati! Je vais voir! Parler au requin. Bonjour, monsieur le requin. Tu as faim? Tu veux un petit gâteau? Oui. Tu veux être notre ami? Lily, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il veut bien être notre ami? Non, il ne veut pas être notre ami. Pourquoi? Parce qu'il a très faim. Quoi? Il est affamé et il veut nous manger. Qu'est-ce qu'on va faire? Miaou! Tati! Tati! Eh, qu'est-ce qui vous arrive? Un requin! Un requin! Au secours! Mr. Morning, j'ai besoin de ton aide. Aïe, aïe, j'ai mal partout. J'ai un coup de soleil. Aïe, aïe, ça fait mal. Ça fait très mal. Oh, Mr. Morning! Tu n'avais pas utilisé de la crème solaire? J'ai complètement oublié. Ouf, on dirait un crabe maintenant. Aïe, ça brûle, ça brûle. Nous devons sauver nos amis ou le requin va les dévorer tout cru. Je suis sûre d'avoir quelque chose pour nous aider dans mon sac à dos. Aïe, aïe, aïe. Pas cela. Aïe, aïe, ça non plus. Une pomme, elle a l'air délicieuse. Aïe, voilà Tati, essaye ça, aïe. Et à quoi ça sert? Oh, aïe, je ne suis pas sûre, mais je crois que tu dois viser l'eau avec. Aïe, aïe, ça me fait très mal. Ok, voyons voir comment ça marche. Juste à temps! Merci! Oh, c'est glacial tout à coup! Il fait froid! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Missy Fou, où es-tu, joli minou? Oh là là, elle arrive! Mon nez de sorcière me dit qu'il y a un petit chat caché ici. Chut, petit oiseau, sinon il nous trouvera. Je me rapproche de plus en plus. Oh non, elle va nous trouver! Petit minou, je te rattraperai quand même. Je vais te mettre dans un endroit où tu seras en sécurité.
bien ici. Taz, à l'aide! Dani, arrête! Je ne veux plus continuer de jouer! Non, maintenant c'est mon tour, alors nous allons continuer de jouer. Je ne veux pas! Ouf, j'ai encore échoué. Oui, oui, oui. Où est-ce que je peux me cacher? Tu joues à quoi, Missifou? Cours! Cours avant qu'il ne te trouve! Hein? Pourquoi? Je te tiens. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Cours, papillon! Sauve-toi! Je ne comprends rien, les amis! Ah! Qu'est-il arrivé? Je suis de nouveau un bébé! Je suis désolée! Je ne peux pas t'expliquer! Je dois m'enfuir! Dani, arrête! Je t'en supplie! Cours, cours, je vais t'attraper! Taz! Maintenant, nous pouvons jouer à la maman et au bébé. Un ballon! Oui. Oh, tu pleures beaucoup! Voyons ce que je peux te donner pour que tu arrêtes de pleurer. Regarde, Dani, quelle jolie fleur! Un tchou! Non, pas encore! J'ai mal aux oreilles! Oh, une araignée! Regarde, Dani! On y est presque.
Enfin, nous sommes de nouveau nous-mêmes. Oh, Dieu merci! Quelle pleur de bébé tu as! Youpi! Oui! Nous devrions retransformer nos amis. Aïe, 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 je suis tellement désolée. Abracadabra! Oh, il avait l'air en colère. Ce n'est pas étonnant, Dani. Abracadabra. 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 Oh, j'ai finalement retrouvé mes ailes. Au revoir, Missifu. Oh, il ne m'a rien dit à moi. Il doit vraiment m'en vouloir. Ça ne m'étonne pas. Je vais aller leur demander pardon. Oui, ce serait mieux. Jouons au ballon. Avec la tête, Dani. Attrape. Oui. Vite. Aïe, aïe, aïe. Oh, Dani. Qu'as-tu fait cette fois-ci? Oh, Missifu, c'était la baguette! Aime et abonne-toi!